Des belles rencontres, du beau sport, du grand sport, c'est ce que nous avons vécu ici depuis jeudi. Et oui, ça passe toujours vite, trop vite, et nous voilà au crépuscule de cette 57e édition du concours hippique international de Genève, avec bien entendu tout à l'heure en point d'orgue le Grand Prix Rolex, l'un des quatre majeurs de ce Rolex Grand Slam Offshore Jumping. Il y aura la finale de l'attelage tout à l'heure et une belle épreuve pour ouvrir cette journée, une progressive dont Gilly va vous donner dans quelques instants le principe. Effectivement, vous avez devant vous, mesdames, messieurs, vous qui avez bravé la neige pour nous rejoindre ce matin, un parcours mis en place par messieurs Gérard Lachat et Louis Koenigs, assisté par messieurs Cortier, Nobis et Longis, un parcours composé de 10 obstacles. 10 obstacles, et on va compter les points de la manière suivante. Le 1 va valoir 1 point, le 2, 2 points, le 3, 3 points, et ainsi de suite, mais à condition qu'il soit franchi sans pénalité. Le but étant donc d'engranger un maximum de points. S'il y a une faute commise sur l'obstacle, eh bien, il n'y a pas de points qui se rajoutent au compteur du cavalier. C'est une épreuve qui se court au barème A, au chronomètre, avec un temps accordé de 57 secondes. Ils sont 37 annoncés dans ce prix, parrainé par l'Institut international de Lancy. Et on va donc commencer avec les couleurs de la Suède et ce cavalier qui se classait troisième de la Coupe de Genève en selle sur Chacano. Il nous vient ici dans ce prix Institut international de Lancy en selle sur Artiste l'Abbaye d'Aune. C'est Henrik van Eckermann. On commence donc sur cet oxer en couleur de gaz naturel. Direction la sortie, on saute ensuite vertical. Laurent Perrier, la hauteur des obstacles, 1,40 m. Ligne 3-4, on commence sur cet oxer Antares. En ligne droite, donc verticale, Institut international de Lancy. Puis en ligne brisée, oxer en couleur de notre presenting sponsor Rolex. La station natation Bidet Sky Knight en numéro 6 derrière le lac. Et on revient sur l'Auxerre Crédit Suisse qui porte le numéro 7. Le numéro 8 franchi sans encombre. Pour l'instant, nous avons un total intermédiaire de 36 points. Le 9 aux couleurs du Starling Hotel et le numéro 10 aux couleurs de Chili Guerre, le 10 qui est volontairement un obstacle un petit peu délicat avec cette palanque posée dessus et là qui tombe pour Henrik van Eckermann et donc il y a 10 points qui ne s'ajoutent pas à son compteur. On arrive avec 45 points et un chronomètre de 56 secondes 30. Bien entendu, vous l'aurez compris, le maximum de points qu'on peut engranger, puisque chaque obstacle vaut sa valeur numérique, qui est un total de 65 points, pour autant que l'on... de 55 points, pardon, pour autant 55 points, effectivement, pour autant que le vertical Schilliger soit franchi sans faute. Une cavalière au bénéfice du wildcard qui fait sa première participation ici à Geneva Palexpo et déjà une belle cinquième place. C'était jeudi, vous lui souhaitez la bienvenue avec Holiday 10, Audrey Geyser pour la Suisse. On reste à 10 points puisqu'il y a faute sur cet Auxerre Rolex.
Aïe, dommage. 40 points, on en avait perdu 6 dans la bataille sur l'Auxerre Rolex, plus pas de points engrangés sur le vertical Schilliger. On est donc à 40 points, 47 secondes, 86 centièmes. Et ce cavalier-là, âgé de 20 ans seulement, en est déjà à sa troisième participation ici au concours hippique international de Genève. Il est champion d'Europe, jeune cavalier en titre, et on le retrouvera à 14h30 à l'occasion du Grand Prix Rolex. Pour l'instant, on va s'intéresser à son parcours avec AK's Courage. Pour la Suisse, Brian Balsiguier. Mais vous avez raison de l'applaudir, Brian Balsiguier. Il est sans faute avec le total maximum de 55 points. Et on retient donc son chronomètre, 47 secondes, 37. Ça devient le chronomètre de référence dans ce prix de l'Institut national, international pardon, de Lancy. Les couleurs de la Suisse continuent à nous accompagner dans cette épreuve aux couleurs de l'Institut international de Lancy grâce à Pius Fitzer. L'un des cavaliers suisses les plus médaillés, disputé deux finales de Coupe du Monde. Il était en or aux Européens en 2009. Et puis, beaucoup de victoires cette saison, notamment une deuxième place au Grand Prix Coupe du Monde d'Elgianita. Bienvenue à lui, au règne de Léonard de la Ferme. Le track, c'est un couple 100% suisse. Un meilleur chronomètre, mais la barre qui tombe sur ce numéro 10 pour Pius Fitzer et Léonard de la Ferme. On en reste donc à 45 points, 46 secondes 18. Sont deux d'ailleurs à 45 points. Pius Fitzer, deuxième, et Suédois Henrik von Eckermann, 45 points également. Le seul cavalier qui a engrangé le maximum de points, c'est-à-dire 55, c'est Brian Balsiguier. Et on poursuit avec un cavalier que l'on retrouvera en lice tout à l'heure. Lui qui va tenter, bien entendu, les quatre majeurs de ce Rolex Grand Slam of Show Jumping. Le voici au départ de ce prix de l'Institut international de Lancy, cette progressive associée à Che Fantastica pour l'Allemagne, für Deutschland, Philipp Weishaupt. Philipp Weishaupt, vainqueur du majeur de Spruce Meadows cette année. Vous pouvez retrouver un portrait de lui dans le programme officiel de la manifestation, page 49. Je vous invite à vous servir. Le programme, le cavalier roman, la gazette, le paddock, tout est gratuit. Vous en trouvez divers endroits dans les couloirs de la manifestation.
On y a cru, mais la palanque au sol. On reste donc à 45 points, 56 secondes, 0,8 centième. Fut von 40 punkte, section 50, comme 0,8. Brian Balsillier, pour le moment, le seul à être parvenu à déjouer les diverses difficultés de ce parcours. La Suisse est donc en tête. Une nouvelle chance à présent pour le drapeau rouge à croix blanche avec Paul Esterman et Cantini de la Cacce. Deuxième dans le prix des communes genevoises ainsi que quatrième de la Coupe de Genève à l'occasion de cette compétition et deux fois avec Curtis Cité pour Paul Esterman. Clearround, deuxième place, zweite Platz, 55,67. Il fait le plein, tout comme son compatriote Brian Balsillier, mais Brian qui reste plus rapide, 47 secondes, 37 centièmes. Paul Esterman, lui, termine avec un chronomètre de 55,67. On poursuit avec la Suisse et un couple qui s'est distingué dans les Alpes valaisannes, puisqu'ils remportaient ensemble le Grand Prix du CSI 3 étoiles de Verbier. Effectivement, il se classait également quatrième du côté du Grand Prix 3 étoiles de Crans-Montana cette saison avec une belle régularité et donc une wildcard à la clé pour leur ouvrir les portes de Palexpo. Corval est au départ, monté par Pierre Colli pour couleur suisse. Ça tombe sur les deux derniers éléments de ce parcours. On en reste à 36 points avec un chronomètre de 47 secondes tout rond pour Pierre Colli et Corval. Nouvelle nation qui nous rejoint au départ de ce prix de l'Institut international de Lancy, cette progressive 1m40. Ce sont les couleurs de l'Irlande que l'on a le plaisir d'accueillir avec le vainqueur cette saison du Grand Prix de Saint-Gall. Troisième également du prix de l'Europe. Bienvenue à Bertrand Malone qui a choisi d'associer son talent à celui de GK Casper. Et s'il y a un cavalier qui est spécialiste de la vitesse, c'est bien lui, Bertrand Malone. On va suivre son parcours avec attention. Thank you.
Ça ne s'est pas passé exactement comme prévu pour Bertrand Malen, qui décide donc de se retirer. Les couleurs suisses défendues dans ce prix de l'Institut international de Nancy par Edwin Smith. Il est au rennes de Don Diego Bézède, avec lequel il a réalisé de très belles choses cette saison. On pense à Saint-Gall avec de très bons classements. Deuxième également du Grand Prix du CSI, 4 étoiles de Poznan. Ça tombe là aussi sur l'ultime obstacle. Ce n'est pas pour rien qu'il est installé comme ça. C'est tout le savoir-faire de nos chefs de piste sur ce vertical numéro 10, très très délicat. Et là, Edwin Smith et Don Diego en font les frais à leur tour. 45 points et un chronomètre certes meilleur que celui de Brian Balsillier. Mais ils ne sont que deux pour le moment à avoir totalisé les 50 points maximum dans cette épreuve. Brian Balsillier donc qui est aux commandes avec 47 secondes 37 à venir chercher. Et Paul Esterman au deuxième rang avec un chronomètre beaucoup plus long, 55 secondes 67. Christina Libert vient de prendre son départ avec la Bometa Michi du board. Vous avez raison d'appeler Christina Libert et Michip Duborda. 55 points, 49 secondes, 54. Elle vient s'intercaler entre Brian Balsillier et Paul Esterman. Nous avons 5 drapeaux suisses pour le moment aux 5 premières places avec Brian Balsillier, Christina Libert et Paul Esterman qui ont totalisé 55 points. Et puis on a eu l'Irlande qui nous a rejoint également, l'Allemagne et la Suède. Et voici à présent les Pays-Bas au départ avec l'un de ses tout bons représentants, l'homme des grands rendez-vous, double champion du monde et d'Europe, champion olympique en 2000, cette saison vainqueur du Grand Prix de Saint-Lô. Bienvenue avec Joya Vonnet, Liren Bosch, Yaron Dubbeldam. Et si vous venez de nous rejoindre, on vous rappelle que vous êtes en train de suivre le prix de l'Institut international de Nancy, une épreuve qui se court à difficulté progressive avec accumulation de points. L'obstacle numéro 1 vaut 1 point, le 2, 2 points, le 3, 3 points, à condition et uniquement à condition qu'il soit franchi, sans faute. C'est pour ça que vous voyez sur votre tableau un petit total de points et qui évolue lorsque le cavalier franchit un obstacle sans faute. Le but du jeu, obtenir si possible les 55 points maximum. Ils sont trois dans ce cas-là, Brian Balsillier, Christina Libert, Paul Esterman. Là, on a vu que c'est tombé sur l'auxerre numéro 7 pour Yaron Dubbeldam, malgré le fait que le 10, qui est théoriquement l'obstacle le plus délicat, ait été franchi sans faute. Eh bien, il y a 7 points en moins que les 55 points maximaux. Donc 48 points, et
un chronomètre de 45 secondes 93. Meilleur chronomètre que Brian Balsiguer, mais les points font foi avant le chronomètre. Sur cette piste, vous l'avez déjà vu, c'était au bénéfice d'une wildcard. Année après année, il progresse en fréquentant le grand champion qui est Steve Dierdal, là où il se trouve basé. Et aujourd'hui, dans la sélection suisse, quel plaisir de recevoir le champion suisse, jeune cavalier de cette saison, âgé seulement de 21 ans, c'est Anthony Bourcard qui nous rejoint. Oui, donnez-lui l'énergie, il la mérite. Parcours délicat dont le but, on vous le rappelle, est d'engranger les 55 points maximum, ce qui signifierait qu'aucune barre n'est tombée. Et c'est magnifiquement fait, vous avez raison, 55 points aussi, 45 secondes, 48 centièmes, presque 2 secondes de moins que son compatriote Brian Balsiguer, puisqu'on notera effectivement, comme vous le rappelez tout à l'heure, Gilles, ils sont à présent 4 à faire flotter le drapeau suisse parmi les meilleurs de ce prix de l'Institut international de Lancy, cette progressive 1m40 que vous suivez et que l'on poursuit. Avec les États-Unis d'Amérique. Avec cette cavalière qui a été médaillée de bronze en individuel et par équipe aux Jeux Panaméricains en 2015, vainqueur cette année de la Coupe des Nations. Alors non, on ne va pas se fier à ce qu'on raconte et on ne va pas se fier au tableau non plus. Parce que ça ne sont pas les États-Unis, mais l'Égypte. C'est bien l'Égypte que nous retrouvons au départ. Avec Hope van Scherpendonder, les couleurs de l'Égypte défendues par Abdel Saïd. Bien classé, jeudi, il était deuxième du Crédit Suisse Cinéma Classique. Elle s'est tombée sur ce numéro 10 également pour Abdel Saïd et Hope, 45 secondes 06. Le temps était meilleur, malheureusement. Il y a cette barre au sol. Et donc, on en reste à 45 points. Cette fois-ci, ce sont bien les États-Unis d'Amérique que l'on a le plaisir de recevoir avec cette Amazon dont Gilly tout à l'heure vous a fait à juste raison l'impressionnant palmarès. La voici avec Cantas, 15e du nom. L'Olaf compte sur vous pour lui donner l'énergie nécessaire au départ de ce prix de l'Institut international de Lancy.
Et un drapeau américain qui vient s'intercaler entre tous ces drapeaux suisses au sommet du classement. Enfin, pas tout au sommet, puisque c'est tout de même Anthony Burkhardt qui conserve les commandes. La deuxième place provisoire pour Lauren Haas. Second place so far for the American rider Lauren Haas. Nous avons 55 points, 46 secondes et 80 centièmes. Les rangs 3, 4 et 5 restent donc en main suisse. Le drapeau irlandais à présent au départ, des couleurs portées par Keen O'Connor et Skyhorse. Deux fois bien classé dans les majeurs de ce Horizon Slam of Show Jumping, le cavalier irlandais. 10e avec Slash Amel, 12e à Spospino. Et encore un bon parcours, il est signé Keen O'Connor et Skyhorse. On n'est pas assez rapide pour inquiéter le trio de tête. La quatrième place avec ce chronomètre de 47 secondes et 72 centièmes. Fourth place for Keen O'Connor. Vous l'aurez certainement reconnu, puisqu'il est le seul de l'histoire à avoir à son actif remporté le Rolex Grand Slam of Show Jumping en 2014 et 2015. Rien que pour ça, il mérite un tonnerre d'applaudissements pour la Grande-Bretagne, associé à Hello Mr. President Scott Brash. Scott Brash qui n'a cessé depuis lors d'être de tous les grands rendez-vous, vainqueur encore cette saison du Grand Prix de Londres, deuxième à Chantilly. Et là aussi, on est sans faute avec 55 points, le maximum pour Scott Brash. Et Hello, Mr. President, 48 secondes, 49, clear on time, 48-49. For Scott Brash, the fifth place so far. Anthony Burkhardt et les couleurs suisses qui sont toujours aux commandes dans ce prix de l'Institut international de Lancy, une épreuve qui se court selon le barème accumulateur. On vous le rappelle, l'obstacle 1 vaut 1 point, le 2, 2 points, et ainsi de suite, à condition qu'il n'y ait pas de faute commise. On accumule les points et on essaye d'obtenir le total maximal de 55. Alain Huffert et Casal, au départ, pour les couleurs suisses, tous deux étaient classés deuxième jeudi dans le prix du Le Mans. Ils sont également champions romands en titre.
25 secondes et 48 centièmes à battre. Et on est plus rapide, 44 secondes, 11. Vous faites bien d'applaudir Alain Youffert. Vous pouvez le faire encore plus fort, sans faute. Et le meilleur chronomètre, synonyme donc de tête du classement provisoire. Bien joué Alain Youffert. La Suisse donc qui conserve les commandes, mais les commandes qui changent de main. Effectivement, quelle saison pour ces deux-là. Tu l'as dit, Gilly, avec leur titre de champion vraiment. Quelle saison également du côté du Royal Marocco Tour. Et à propos de Royal Marocco Tour, voilà son compagnon d'écurie, Alain Youffert, qui lui aussi s'est distingué lors des Coupes des Nations Royal Marocco Tour. Et tout au long de cette saison, le voici avec Tchèk Pico Bello Z, Séverin Hillero pour les couleurs françaises. Et Séverin Hillero et Tchèk Pico Bello qui étaient deuxième dans les 6 bars jeudi et qui se classaient également cinquième du prix des communes genevoises. À l'arrivée, 47 secondes, 30 centièmes, le vertical Starling, l'hôtel partenaire, l'hôtel qui accueille les cavaliers au sol. Et puis l'Auxerre Antares également. Voici les deux obstacles fautifs de ce tracé. Place à présent à ce cavalier qui est le maître incontesté du cross, et plus particulièrement du concours complet. Le numéro 1 mondial en concours complet avec un nombre de titres incalculable à son actif. Il était deuxième hier du cross indoor, c'est une petite faute qui l'a privé de la victoire. Et au niveau du jumping, troisième du prix des vins de Genève jeudi et troisième de la grande chasse. On le retrouvera d'ailleurs dans le Grand Prix Rolex, monsieur Michael Young. Avec Fischer Daily Impressed, les couleurs de l'Allemagne. Et un top 8 où l'ensemble des cavaliers ont fait le total de points, un total de 55 points, 44 11 à battre et regardez le rythme. Et dommage, Michael Young également fait les frais de ce numéro 10 qui tombe une fois de plus et donc on en reste à 45 points. Le chronomètre était par contre excellent, 43 secondes 54. Et relégué ainsi au 10e rang, le cavalier germanique et Alain Youffert toujours aux commandes, 44 secondes 11 centièmes. Et voilà une cavalière japonaise, membre de la Rolex Academy, associée à Kino. Voici Karen Wolf au Japan. Rolex Academy qui concourt à aider les jeunes talents au développement de leur sport. Et pour la première fois, une cavalière hors continent européen.
Hey, well done, Cleon, 55-46.19, third place so far, la troisième place du provisoire pour la toute jeune Amazon japonaise, 25 ans seulement pour cette cavalière membre de la Rolex Academy. Jeune cavalier, lui aussi, et au bénéfice d'une wildcard, il nous rejoint dans ce prix de l'Institut international de Nancy pour la Suisse. Et c'est sa première participation ici, une wildcard, comme vous le disiez, Raphaël, suite à une excellente saison. Deuxième dans le Grand Prix 3 étoiles du côté de Crans-Montana, troisième dans celui de Verbier. Guillaume Delay, au départ, Richebourg de Cartigny. Et on est dans la même seconde que Alain Youffert et Casal, 44-74. Alain est à 44-11, mais malheureusement, le dernier vertical est au sol. On reste donc avec 45 points pour Guillaume Delay, que vous pouvez raccompagner quand même par quelques encouragements pour sa première participation ici à Geneva Palexpo. Et au sommet de la butte, on trouve une cavalière portugaise qui monte Camargo, cheval avec lequel elle a remporté le barrage pour faire finalement gagner les cavaliers élites dans le défi de la relève. Vendredi soir, vous étiez peut-être avec nous. Vous allez encourager Luciana Diniz. Eh bien, comme à son habitude, elle nous offre un magnifique parcours. Luciana Diniz, un total de 55 points, 55-80 et 10e place. Ils sont très exactement 10 à avoir réalisé le carton plein, mais les places sont chères. Effectivement, Alain Youffert était très rapide, 44 secondes, 11 centièmes. Et voilà une nouvelle chance suisse. Oui, une nouvelle chance suisse avec ce couple qui nous a prouvé hier soir qu'il pouvait être extrêmement rapide. Si vous étiez avec nous à l'occasion de la grande chasse, vous avez certainement été impressionné et émerveillé par la prestation de Dubaï Dubois Pinchet et Martin Fuchs. Le temps à battre, 44 secondes et 11 secondes. Thank you.
44. Aïe, j'ai dit dommage, 43 secondes 10, c'était plus rapide. Quoi qu'il en fût, le drapeau suisse aurait continué à flotter sur l'épreuve, bien entendu. Il aurait changé de main puisque Martin Fuchs était plus rapide, mais un total de 45 points avec cette palanque au sol. Cavalier français qui a déjà fait retentir la Marseillaise, c'était jeudi dans la première internationale. Effectivement, jeudi à l'occasion du Prix du Léman où il s'imposait avec ce même Tessoué de la Batia. Vous encouragez, Roger Yves Bost. Eh bien, une fois de plus, c'est fait. 55 points. On est sans faute de bout en bout, comme souvent avec votre chouchou, avec Posty et son Tessoué de la Batia. Et une neuvième place, 51-91. Pas forcément le chronomètre qui a été cherché par ce cavalier. Il enlevait la coupe de Genève sous couleur de la Belgique. Bienvenue avec vos encouragements à Niels Brunsels et Quéron, dixième du nom. Deuxième cette saison du Grand Prix Coupe du Monde de Madrid, vainqueur à Linz. Vainqueur également chez lui en Belgique, du côté des écuries Stuff-X au Stuff-X Masters. Seconde 06 et aucune faute, donc 55 points le maximum pour Niels Brunsels et Kayon. On est 9e avec ce résultat. Les Suisses sont nombreux au départ de ce prix de l'Institut international de Lancy. Et voici Marie-Ether Pellegrin pour poursuivre. Oui, oui, vous pouvez lui souhaiter la bienvenue avec une de l'Otin. Cette saison bien classée à Lyon dans le 2 étoiles qu'il avait choisi de courir. Et puis CSI 4 étoiles de Rouen également en vue tout au long du concours. Encore plus de bruit, Genève, encore plus de bruit pour saluer la performance de Marie-Ether Pellegrin et une de Lotin.
42 secondes 57, c'est la tête du classement. Ça mérite encore des applaudissements un petit peu plus vigoureux pour Marie-Ether Pellegrin, qui relègue tous ces messieurs derrière elle. Alain Huffer, Anthony Bourcard, après on trouve la cavalière japonaise, Karen Paul, Lauren Haas, et puis Brian Balsiger, Keen O'Connor et Scott Brush pour les 8 meilleurs. On sent un petit brin de fierté féminine et on le comprend d'ailleurs. Allez, voici l'Angleterre avec l'un des cavaliers les plus titrés au monde. 22 finales à son actif, applaudissez-le à la bord de ce numéro 1, Michael Whittaker. Il nous présente Valmy de la Lande, un des talents par Miller Cartago, âgé de 8 ans. Cleon, well done, 55, 52.94 for time, 12e place provisoire pour le cavalier britannique. On se rapproche du dénouement de ce prix de l'Institut international de Lancy, il nous en reste une dizaine, et encore quelques-uns des tout bons cavaliers de la planète, voici l'un d'entre eux pour la Suède. Un cavalier qui était médaillé d'argent par équipe au dernier championnat d'Europe. Il est associé à Jezebel. Vous encouragez Douglas Lindelof. Bien, on reste à 41 points, 54 secondes de Nancy, centième, 41, 54.96, 54.96 du côté du chronomètre pour le cavalier suédois. Une cavalière au bénéfice d'une wildcard, mais à contrario de Guillaume Delay tout à l'heure, c'est une habituée puisque saison après saison, elle se distingue en Suisse comme sur la scène internationale. Cette saison peut noter à son actif les victoires des Grands Prix de Crète et de Chevenet. Voici avec une triade hall pour la Suisse, Frédéric Fab Delbos. Et 46 secondes 75 et le maximum 55 points pour Frédéric Favre-Delbos et une triadole qui prennent la cinquième place
du classement provisoire dans ce prix de l'Institut international de Lancy. Marie-Ether Pellegrin et les couleurs suisses toujours aux commandes devant Alain Huffer, Anthony Bourca. Nous avons une touche japonaise dans le quintet de tête à la quatrième place, Karen Paul et puis Frédéric Fabre Delbos. On vient de le voir, cinquième. On continue avec la Suisse. Niklaus Rucci a franchi la ligne de départ associé à Cardano, là aussi un couple 100% suisse, lui qui était deuxième du Grand Prix du CC 3 étoiles de Liège, bien classé également en Coupe des Nations, Dublin, Falsterbo. La palanque sur ce numéro 10 aux couleurs de Schilliger qui tombe une fois de plus. Cette fois-ci, c'est Niklaus Rucci qui en fait les frais. 57 secondes, 13 centièmes. Les couleurs françaises avec ce cavalier que vous avez encouragé jeudi, ce qui lui a permis de faire retentir son hymne national, réitéré ce matin en lui donnant toute l'énergie nécessaire avec Vacanda de Lojou. Benoît Cernin est au départ. Benoît Cernin qui enlevait une épreuve jeudi. Deuxième de la chasse hier soir. Quelle saison pour ce cavalier qui était de la sélection d'ailleurs encore à Xtend. Et quel dommage, il regarde le tableau, le cavalier Rhône-Alpin, total de 52,46 secondes, 14 centièmes. Une Amazon suisse au départ avec quel mec du Géry, la cavalière valaisanne, Aurélia Lozère. 22 ans seulement dans la sélection officielle suisse cette année, Aurélia Lozère, avec une saison époustouflante une fois de plus, avec de nombreux résultats en Grand Prix sur la scène nationale et également sur la scène internationale.
Aix-la-Chapelle, vainqueur d'une grosse épreuve, 10e du Grand Prix de Bois-le-Duc, le 4e de majeur de ses Rolex Grand Slam Offshore Jumping. Souhaitez la bienvenue pour l'Allemagne, associée à Tokyo de Christian Allemann. Et vous le voyez, et on était parfait sur la piste, hein, 55 points, on est arrivé à 54 puisqu'il y a eu un point de temps, et les points de temps, tout comme les refus, viennent en diminution du total des points obtenus. On est donc à 54 pour le cavalier allemand. Et le cavalier qui se présente au départ était 5e du prix des Vins de Genève jeudi. Médaillé d'or au championnat d'Europe par équipe en 2009 avec Ayam Samouraï, la Suisse et Daniel Etter. Et 45 secondes 02, on est à 55, le maximum. C'est la troisième place du provisoire pour Daniel Etter et Ayam Samouraï. Dans ce prix d'Institut international de Lancy, l'on continue avec un cavalier au bénéfice d'une wildcard. C'est Yannick Jaran, effectivement, qui compte sur vous, le public genevois, avec Best of Opus Dei Z. C'est cet étalon par Balou Durouet, Jus Pomme. Marie, Etter, Pellegrin, Alain Youfer, Daniel Etter, Anthony Bourcard, Quatuor de tête, Elvis Dico, Suisse, le Japon à 5e, Karen Paul, Frédéric Fabelbos, Lorraine Affre, les États-Unis d'Amérique, Brian Balsillière, la Suisse. Points à l'arrivée pour Yannick Jaran et un chronomètre de 66 secondes 26.
Les couleurs du Brésil avec ce cavalier que vous aurez reconnu certainement, lui qui enlevait le Grand Prix ici l'année dernière, souhaitait la bienvenue avec Uccello de Ville à Pedro Venis. Pedro Venis, cette saison victorieux du Grand Prix du CC 5 étoiles de Versailles sous couleur Rolex également. Bonne route à l'ambassadeur Hermès. Secondes, 81 centièmes et 55 points à l'arrivée pour Pedro Venis et Uccello. Dernier départ dans ce prix Institut International de Lancy. Avec une cavalière qui tout au long de cette saison a brillé avec deux médailles de bronze au championnat suisse et au championnat roman. Elle est pour la première fois ici à Genève et elle va donc compter sur le public de Geneva Palexpo associée à Nazca Duplain. C'est Rachel Bechler pour la Suisse. Ah, dommage, ce numéro 10 une fois de plus au sol pour Rachel Bechler cette fois-ci avec Nazca Duplain. 48 secondes et 89 centièmes la victoire dans cette épreuve et suisse, elle est pour Marie-Ether Pellegrin et une de l'OTAN. Surtout, restez encore quelques minutes assis tranquillement dans les gradins pour remercier par vos applaudissements les cavaliers qui se sont distingués dans cette progressive aux couleurs de l'Institut International de Lancy. Vous aurez ensuite tout le temps nécessaire puisque vous serez en partie une grosse heure pour déambuler à travers le village des exposants qui, on vous le rappelle, compte plus d'une centaine de stand puisqu'on se retrouvera sur cette grande piste à 11h15 avec la Coupe du Monde d'attelage aux couleurs de la RTS Radio-Télévision Suisse Romande.
La vainqueur de ce prix de l'Institut international de Lancy qui fait son entrée sur la piste sous vos applaudissements, Marie-Hélène Pellegrin. Marie-Hélène Pellegrin et une de Lotin. Et en attendant les autres lauréats, Marie-Hélène Pellegrin et une de Lotin qui se sont déjà installées entre les deux montants aux couleurs de l'Institut international de Lancy. Les six meilleurs de ce prix Institut international de Lancy sont devant vous. Ils vont être félicités tout à l'heure par Madame Carole Delaurier de Haller, assistante de communication auprès de l'Institut international de Lancy. Également par Madame Diane de Bavier, membre du comité d'organisation de ce 57e concours hippique international de Genève. Et cette épreuve, épreuve de vitesse et d'agilité, elle est remportée par ces deux dames. Une de Lotin, Marie-Hélène Pellegrin. Mesdames et messieurs, veuillez s'il vous plaît vous lever pour qu'en l'honneur de Marie-Hélène Pellegrin retentisse l'hymne national suisse. Marie-Hélène Pellegrin, victorieuse dans ce prix Institut international de Lancy, qui va à présent recevoir le plat gravé des mains de Madame Carole Delaurier de Haller, assistante de communication auprès de l'Institut international de Lancy. Les félicitations également au nom du comité d'organisation de Madame Diane de Bavier. Voilà donc pour la cavalière victorieuse Marie-Hélène Pellegrin. On va à présent se diriger vers celui qui se classe deuxième au Rennes de Casale, le couple champion roman en titre, Alain Youffert. Suisse en numéro 1, Suisse en numéro 2 et Suisse en numéro 3 également, I Am Samurai, Daniel Etter. Et puis
puisque nous sommes sur une lancée de cavaliers suisses. La Suisse toujours au quatrième rang avec Uzo Van Het Obos et Anthony Burkhardt. Ce sont les couleurs du Japon que l'on trouve au cinquième rang. Fifth for Japan, Kino Karen Paul. C'était distingué l'an dernier dans cette même épreuve. On la retrouve sixième avec une triade. Les couleurs suisses, les couleurs genevoises. Frédéric Fabre d'Elbos. Avant de lancer le tour d'honneur, on va encore remercier chaleureusement l'Institut international de Lancy pour son soutien année après année. On remercie également chaleureusement Madame Carole Delaurier de Haller qui a remis les prix à nos lauréats aux côtés de Madame Diane de Bavier. Tour d'honneur à présent, emmené par les vainqueurs, Marie-Ether Pellegrin, une de l'Autun. Pour féliciter Marie-Ether Pellegrin. Alain Youfer, Daniel Ether, Anthony Burkhardt, Karen Paul et Frédéric Fabre d'Elbos. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints, à avoir bravé la neige qui ne cesse de tomber. Vous allez passer une journée bien au chaud en notre compagnie du côté du sport. On va se donner rendez-vous à 11h15 sur cette même piste, mais on va changer de discipline. Nous avons eu cette année 4 disciplines sous le même toit à l'occasion de ce 57e concours hippique international de Genève. Le saut, comme on vient de le voir, nous avons eu le dressage, nous avons eu le cross indoor hier soir, c'était spectaculaire. Et nous allons avoir, 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 avoir.